Assalamu alaikum, mara okhra. Alors, on va commencer cette séance par voir donc les fonctions. Donc, une fonction, donc c'est un moyen d'écrire donc une partie du programme et qui peut donc réaliser donc une tâche bien déterminée. Donc là, si il faut pas donc la comparer avec avec les autres langages, donc il faut toujours donc se contenter avec Python. Donc Python est un langage donc un peu spécial par rapport aux autres, d'accord. Donc là, si on parle d'une fonction et on essaie de citer quels sont les avantages donc pour utiliser des fonctions, qui peut nous dire donc quels sont les avantages donc pour utiliser des fonctions dans un programme. Qui peut nous dire donc quels sont les avantages donc d'utiliser des fonctions dans un programme? Monsieur facilite le خدمة معناتها تنجم تعاودها برشا مرات تقعد تستعملها برشا مرات. Donc c'est pour but de réutiliser le même bout de code dans différentes parties du programme. Donc c'est la réutilisation du code. D'accord? Sinon, un autre avantage donc pour utiliser donc les fonctions. Donc, si on parle de correction, qu'est-ce qu'elle peut nous ajouter de plus, donc les fonctions, si on veut corriger donc un programme qui contient des erreurs? Monsieur, tu n'as jamais parlé de la galère de faire le programme. Je dois aller me coller. Donc, si on tourne, je te fais une galère. Voilà. Donc, essentiellement, là, c'est la facilité pour donc détecter les erreurs, c'est-à-dire pour se positionner dans le programme et corriger s'il y a donc des erreurs. Donc c'est très important donc de si j'utilise pas donc une fonction et j'utilise le même bout de code qui se répète donc pas mal de fois dans le programme, je vais me perdre donc pour trouver donc où exactement donc l'erreur s'est produite. Tandis que si on utilise des fonctions, on sait très bien donc quelle fonction fait quoi. Et là, donc, je peux me positionner directement sur la fonction qui génère donc l'erreur en question. Donc là, c'est deux avantages très importants. C'est la facilité d'écrire donc un programme. Il a donc pour minimiser le nombre de lignes de code et aussi donc pour faciliter donc la correction du programme et se positionner donc dans le bon endroit qui contient donc l'erreur en question. Donc ça, c'est plus ou moins les deux avantages qu'on peut citer donc pour utiliser donc les fonctions. Donc pour qu'ils soient plus lisibles, pour qu'ils soient facilement modifiables et pour qu'on soit donc facile à tester et à détecter donc les erreurs. Donc هذا بالنسبة للفونكسيون, pourquoi on utilise des fonctions. Alors, on va commencer par donc présenter donc la syntaxe générale donc d'une fonction, donc syntaxe d'une nouvelle fonction. Au niveau Python, on a donc le mot clé def, donc def, nom de la fonction, les paramètres de la fonction ou les arguments. Donc après, il y a les deux points, donc comme toute autre structure sous Python. Pour commencer à faire le traitement donc dans la structure en elle-même, donc il suffit donc d'ajouter les deux points, et après donc on utilise donc l'indentation et écrire le code sur la même ligne, donc pour définir donc l'appartenance de la partie du code à une structure bien déterminée. Donc une fonction, c'est une forme de structure qui permet de structurer donc le code.
Donc, def nom de la fonction, les arguments de la fonction, on va voir quels sont les arguments qu'on peut mettre et comment on peut donc définir les arguments. Donc, deux points, les instructions à exécuter. Et on a ici donc un mot-clé aussi, return. Et on a donc les valeurs de retour ou valeurs de retour ou plusieurs valeurs de retour. Ça peut être une donc ou plusieurs valeurs. Donc, return, c'est un mot-clé. D'accord ? Il est facultatif. Donc, bien sûr, ainsi que les arguments, mais pas les parenthèses. C'est-à-dire, si on a une fonction sans argument, donc là, on aura donc la forme minimaliste de la fonction, c'est nom de la fonction, sans argument, deux points et instruction à exécuter. Et là, donc, on aura une forme, donc une fonction qu'on peut créer sans argument et pas de return dans la fonction. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit donc, le return est facultatif ainsi que les arguments, mais pas les parenthèses. J'insiste bien, pour définir une nouvelle fonction, il faut toujours le mot def, le nom de la fonction et entre parenthèses, s'il y a des arguments, on les met, sinon on ne met rien, mais il faut donc ouvrir et fermer les parenthèses pour définir une fonction. Donc, heavy, la syntaxe générale donc d'une fonction. Alors, on va demander maintenant d'écrire donc une fonction qui permet d'afficher le plus grand de trois nombres entrés au clavier. Donc, vous allez m'écrire une fonction qui permet d'afficher le plus grand de, alors je vais dire de deux nombres pour l'instant. De deux nombres entrés au clavier. Donc, une fonction. Donc, écrire une fonction qui permet d'afficher le plus grand de deux nombres entrés au clavier. Aïe, faites discussion qu'il a d'être. Je vais commencer donc à écrire juste la première partie de la fonction. Donc, def maximum, je veux l'appeler. On a deux nombres, donc x et y, deux points. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a besoin donc, du plus grand nombre. Allez, dans la discussion. Allez-y, où sont les réponses? C'est simple. Vous m'entendez? D'accord.
Donc, on a une proposition. Je vais. La coller ici. Après, on va en discuter. Monsieur, ouais. Ma fonction déjà je sais. Donc on n'a pas à utiliser donc la fonction prédéfinie, d'accord? Ok, t'as mal à évoluer chez les belles fonctions tac ou les fonctions les déjà ni un deux en haut. Lele, quand tu vas créer ta propre fonction, il va utiliser la tienne. Donc, il ne va pas utiliser la sienne. Donc, il va utiliser donc ta fonction. Alors, def max, notre proposition. Et ensuite, return. D. Monsieur, proposition, le print dernier, بعد l'else, écrive x1, regardez. Proposition, t'as qu'un tien, mais là. Ok. X1. D'accord. Alors, shared. Monsieur, please, obvious. Alors, j'ai pris donc trois propositions différentes. On va essayer de discuter et voir la différence entre les trois propositions. D'accord? Alors, j'ai une proposition, deux propositions et la troisième proposition. Alors, on est صحيحة, الأولى الثانية ولا الثالثة ولا ما سمحت حتى واحدة صحيحة. المهم كلهم صحاح. هكا ولا مسج حلو لي ميكرو احكي معايا مسج لولا مش ناقصه ريتيرن مسيو ريتيرن لولا مش ناقصه ريتيرن عملت برينت ثاني عباره بروسيدور هي لولا والثالثه بريس كيف كيف لجوست واحدة حط برينت والأخرى ريتور باي ثم فرق ما بيناتهم ولا ما ثماش ثم فرق الأولى عبارة بروسيدور والثانية فونكسيون هذه عبارة على بروسيدور والثانية اللي هي هذه دونك عبارة على فونكسيون معناتها هذوما الزوز كي بعضهم سوف كو بون سي تو فو دونك كونسيديري كو هذه est une procédure ou est une fonction. Mais où est-ce que je n'ai pas Je sais pas l'explication. Ah, je suis chauffé à data. Donc, alors pour commencer, il n'y a pas de procédure en Python. D'accord? On n'a que des fonctions. Je connais ta procédure qui trouve les procédures. Une procédure, c'est généralement, elle agit sur les variables. Les variables, donc elle agit sur les variables qui sont transmises. Elle agit sur les arguments
كتبدلهم les arguments généralement une procédure, d'accord? Ici donc on voit très bien que on n'a pas touché à x1 et à x2. Donc le fonctionnement de la définition d'une procédure, il n'est pas là. Donc il faut essayer de dissocier. خلينا من notion de la procédure. خاطر حتى في باسكال زاد كيف كيف نجمو نخدمو كل شيء بفونكسيون كل شيء نجمو نخدمو بفونكسيون دونك خاطر دونك اون بو دونك بان لي موديفيكاسيون يرجعوا ونحطوهم في فيغ لا فاريابل دونك سي بلوز او موان دونك سا مي اون بيتون سي اوتر شوز نحيوا كلمه فونكسيون بروسيدور نحيوها اون ا دي فونكسيون. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de dégager donc un ou plusieurs résultats. Donc, on aura donc à procéder de deux manières différentes. Si on a besoin du résultat, donc de la réutiliser, donc plus ou moins, donc de réutiliser le résultat donc final, donc dans d'autres traitements. Là, j'aurai donc à renvoyer la valeur, à renvoyer la valeur vers le programme appelant. Donc, j'ai besoin de renvoyer la valeur vers le programme appelant. Et si je n'ai pas besoin donc, de réutiliser donc, le résultat, je peux tout simplement afficher à partir de la fonction au niveau Python. Et ça, on parle de notion d'effet de bord. On parle de la notion d'effet de bord, donc effet de bord au niveau donc d'une fonction. Effet de bord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat, elle s'affiche sur l'écran directement à partir de la fonction, ou bien donc s'il n'y a pas d'effet de bord, c'est-à-dire il y a un retour de résultat. Donc effet de bord, le résultat s'affiche sur l'écran, pas d'effet de bord, donc là on parle de résultat qui est retourné dans notre programme appelant. Mais ce qui va être schématisé par un simple schéma donc comme suit. Donc on parle de principe donc ici donc une suite si on parle d'une fonction, c'est une suite d'instructions encapsulées dans une boîte. Donc là c'est la boîte qu'on parle. D'accord? Qui prend 0 donc un ou des arguments, donc ce sont les arguments donc, de notre boîte qui est en entrée, donc tout ce qui est en entrée dans cette boîte, et qui peut donc retourner 0 ou plusieurs valeurs de retour. Et là, donc, c'est le premier cas donc, qu'on a vu donc, ici. Ça permet de retourner donc, un résultat. Celui-là aussi, ça permet de retourner un résultat, d'accord? Et sinon, il peut aussi éventuellement contenir des effets de bord donc qui modifient l'environnement. Donc, il a interaction avec l'entrée-sortie. Donc, je prends l'exemple de Turtle comme module. Donc, on peut voir donc, plus loin donc, Turtle comment ça fonctionne. Mais là, donc, je peux prendre aussi donc, l'exemple de cet affichage-là qui est correct aussi. Donc là, il y a un effet de bord. C'est-à-dire, à partir de notre fonction, je peux directement donc afficher sur l'écran. Et là, on est donc dans cette phase de traitement. Et là, on est dans l'effet de bord de la fonction. Donc, vous voyez qu'il y a deux sens. Il y a ou bien je sors des valeurs de retour vers le programme appelant, ou bien directement j'affiche sur l'écran ou je traite même avec des entrées. Donc, on appelle ça donc, l'effet de bord. Donc, les trois solutions sont correctes. Alors, je vais donc juste... je vais commenter un petit peu donc, cette solution. Donc, cette solution, elle n'est valide donc, que pour des entiers. D'accord? Cette solution, elle peut donc aller avec des caractères
et avec des chaînes de caractères. Donc, le maximum, d'accord ? Le maximum que soit donc deux entiers, deux caractères de n'importe quel type, ça peut donner. Donc ici, ça ne peut donc aller qu'avec des valeurs donc de type numérique. Donc, mais elle est correcte en tout cas. Alors, on avance. Alors, si je change et je dis donc là c'est à ce niveau-là, donc on a. Donc, juste, je vais voir donc la dernière solution. Oui, c'est la même qu'on a donc ici. Alors, si je change l'exercice et je demande d'écrire une fonction. Donc, je demande d'écrire donc une fonction qui permet d'afficher le plus grand de 3 au lieu de 2. Donc, je mets de 3 nombres entrés au clavier. De 3 nombres entrés au clavier. On va réutiliser donc l'une de ces 3 donc fonctions que j'ai proposées donc ici. Donc si j'utilise donc l'une de ces 3 là pour donc écrire la nouvelle fonction qui donc là je vais l'appeler maximum 2. La nouvelle fonction que je vais l'appeler donc def maximum 3. Donc ici on a copié. Def, je vais l'appeler maximum 3. Alors, comment je peux écrire donc un programme, d'accord, qui permet donc oui. Monsieur, la solution en D égale avec. Normalement, avec la entre parenthèses, il t'hâte mal l'ol, بعد il t'hâte sur deux, fait l'autre ou. Ou elle a quelque chose, monsieur, ça m'a hâte la fois, la hâte, 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 نقص فوا اما ما ياخذش ياخذ 1 دمي مسيو ولا ياخذ 1 سور 2 فوا بريوريتي لهنا البريوريتي تعمل ديفيزيون قبل داكور دونك 1 دمي 0.5 واضح فهمت من بعد يضرب الملتيبليكاسيون واضح دونك كي تبدا ميم بريوريتي يمشي دو غوش ا دروات كي تبدا دونك لا بريوريتي اون لي ديفيني بار لي بارونتيز وهذاك شعمل هو حط لي بارونتيز دونك ا سو نيفو لا بور avoir la priorité, je vais mettre plus l'addition ou l'ABS, donc, et le reste, donc, au niveau de multiplication et division, c'est l'ordre de gauche à droite. Donc, Femtouni, l'objectif, c'est quoi? Donc, ici, donc, Hedi, ça permet de calculer le maximum de 2 nombres. Si je veux calculer le maximum de 3 nombres, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler cette fonction combien de fois? Donc, une, هذه ولا هذه ولا هذه, peu importe, نعرفش انها باش تعملوها. باش تظهر لكم انها الاصح معناتها. Deux fois, monsieur. Voilà, donc pour réutiliser une de ces 3 fonctions, d'accord? Il faut que je l'appelle donc 2 fois dans la fonction def maximum 3. ما نقعدش نعاود معناها نعمل اخرى if x inferior à y donc and y elle est inférieur donc à z de j'affiche y return y else if x inférieur à y et y donc elle est supérieure à z return y et ainsi de suite donc نقعد كل مره نعمل بال if else je peux réutiliser cette fonction pour calculer le maximum de 3. La première fois, j'appelle x, y. La deuxième fois, j'appelle y, z. Donc, comment on va faire ça? A-t-il une proposition? Alors, laquelle qu'on va utiliser? Hedi ou la hedi ou la hedi? Donc, 1, 2 ou la 3? Donc, 1, 2, 3. Laquelle on va utiliser? Donc, logiquement, il faut utiliser donc هذه وهذه صحيح ولا يفوت يوتيليزي يا هذه انا
يا غادي علاش ما نجمش نستعمل برنت خاطر حاجه بروتور نشيلك من الفالور فالور مره ثانيه فالور اخرى très bien donc vous voyez que quand j'ai besoin d'une valeur de retour donc on n'a pas besoin d'afficher directement sur écran là j'ai pas de choix là je suis obligé d'utiliser le return donc avec علاش قلت من الاول les trois sont corrects mais ça dépend de la suite de l'exercice si l'exercice donc nécessite la réutilisation des résultats retournés par la fonction là il faut oublier cette solution cette solution donc il faut la oublier donc il faut oublier donc carrément si on a besoin donc de tout simplement afficher là les trois positions les trois donc propositions sont correctes فهمتوا الفرق oui monsieur très bien alors tawa on va écrire donc moi je vais donc je vais garder donc la solution le contenu de cette solution là ici donc je vais l'écrire ici voilà donc, je remonte un petit peu pour avoir plus de lisibilité là je remonte ça ici voilà voilà donc on va adopter donc cette solution pour avoir donc le maximum de deux nombres le maximum de deux nombres alors maintenant j'ai besoin donc de d'écrire une autre fonction pour avoir le maximum de trois nombres on va appeler la fonction maximum 2 grand maximum 3. Monsieur, proposez-moi une solution. Non Je vais vous dire. Très bien. Oui. Monsieur, nous allons poser, مثلاً, x égale max, on compare avec y, on va comparer avec z. Oui, bon, oui. Essaye de minimiser tes instructions. Essaye de les minimiser, c'est-à-dire essaye de trouver une solution qui peut être le minimum de lignes possible, avec le minimum de lignes possible. حاول ما تستعملش برشا variables. Ok. نشوف l'exercice ما قريناش حساب انه x نجم تكون égal à y. ما عادت نحطو inférieur ou égal في بلاصه هكا ولا ناخذو الكا لا هو كي يلقى ماهوش شفت البار ديفو معناتها هو كان يلقاها ايغال بار ديفو واش راجع ايغريك فهمت معناتها اكس سي ني با انفيريور ا ايغريك يبقى روتورني ايغريك ستادير سي ليت ايغال اوسي فهمت جواب فهمت مش نورمالمون بار ديفو يرجع الاكس عاد ولا خاطر كان مش اكتمون انفيريور سا ديبون دو دي شونس اللي انت خدمت فيه كان انت حطيت انفيريور كيما هكا دونك خاطر اكس اي انفيريور ا ايغريك معناتها ايغريك هي الماكس دونك ريتورن ايغريك وكان حطيت انت اكس اي سوبيريور ا ايغريك شو اللي ريتورن اكس لهنا والايغريك ثانيه سا ديبون سي كومون tu as
tu as écrit donc le sens de l'inférieur ou l'égal. Al max. Il y a pas de différence. C'est tout à fait logique. Donc, il n'est pas strictement inférieur. Donc, il va aller vers le else. Voilà. Je m'arrête. Ligne واحدة. Oui, comme. يا ذي وقديدا ونني شاركم سيلش J'ai déjà atteint le serdeur, la réponse. Mais il fait belle. Oui, il y a des F maximum 3x, y, z. Il y a où il y a. Ben. ما هو مش كي تخدم ماكسترا في الديسكوشن راهو لي بروبوزيسيون بتاعك بكليكي معناتها كان كي نجيتو في واحد بركه ما نكونش عندنا لي تروا ديفيرون ريبونس كي من هكا خاطر جي بيزوان دو سي ريبونس لا كل واحد يل فا مي ريبوندر دونك افيك سا فاسون وما ثم حد معناتها باش يجاوب بالغالب معناتها كلكم باش تجاوبوا بالصحيح سوف كو باش تفهم انت الفرق ما بين تا ريبونس اي لا ريبونس دو تون كوليغ لازمنا ندخلوا في اللي ديتاي دونك معناتها كل واحد كي كومون il va envisager donc sa solution c'est une façon d'aborder l'exercice ou de trouver la solution à l'exercice les trois solutions هذوما ils nous ont montré que les trois sont correctes mais il y a un petit donc un petit bémol à ce niveau là qui hakina donc على le print c'est une solution mais elle est limitée. Donc, les mectars, c'est pas tout le temps, donc tu peux l'utiliser. Donc, la solution, elle ne peut être utilisée que dans une circonstance bien déterminée. Donc, c'est ça le feedback qu'il faut. Donc, on est donc ensemble, c'est à ce niveau-là. Donc, maintenant, au niveau des exercices, donc les propositions sont diverses et on peut donc bien sûr discuter. Les différentes propositions. Donc, il a ses propres visions au niveau de la solution. Ben, khalina nsalhou. Ok, Amir. D'accord. Ben. احنا لهنا ايش خدمنا دونك au niveau de cette condition on peut par exemple disons je vais essayer donc de la simplifier un petit peu d'accord je vais enlever ce else وقولوا لي donc شنو هو ينجم تعمل cette simplification. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je m'en ai dit, je vais vous dire tout à l'heure, donc, on dit if ou la else. Donc, quelle condition est vraie? Il va retourner y. Et si la condition est fausse, else, il va retourner x. Par contre, ici, on n'a pas de else.
c'est-à-dire que si x n'est pas, elle est inférieure à y, donc il va retourner y. من بعد شرجع return x ما تبش رجع مزوزة. لا monsieur qui حط return y déjà خرج من fonction. Donc return عبارة كأنها شنية عبارة entre guillemets donc حطوها الكلمة عبارة شنو؟ break. صحيح. très bien. donc ما هيش break راهي هي. ما عبارة entre guillemets break للfonction بتاعي. donc نكتب return كي نوصل للكلمة return automatiquement, il va quitter la fonction. Donc, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire, si le x est inférieur à y, il va retourner donc le y. Et si x n'est pas inférieur à y, automatiquement, il va passer à la ligne suivante, il va retourner le x. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le else. C'est bon jusque-là ? C'est bon, monsieur. C'est important de comprendre ce que return. Il y a beaucoup de problèmes qui travaillent pour faire le return. Et sous le return, il continue de travailler. Sous le return, il continue de travailler le programme. Non. C'est le return, ça y est. La fonction est radio faite. Il n'y a pas de chose qui s'appelle fonction. D'accord ? Je ne peux pas écrire quelque chose sous le return. Donc, return, c'est la dernière instruction dans une fonction. C'est la dernière instruction dans une fonction. Ben, d'accord, on s'est mis d'accord à ce point-là. Nous allons voir la fonction de la fonction. Nous allons faire le code qui permet. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une fonction qui s'appelle maximum de x et y. كان نقول له return maximum de x et y لهنا باش يرجع لي يا x يا y دونك وكان باش نحط له نزيد له نحط له z لهنا باش يخرج لك يخرج لك شنو نسميوها الارور اللي باش تخرج لهنا شنو تسمى في البيتون خارج اون اكسبسيون هكا ولا امشي خارج اكسبسيون واش الاكسبسيون تاعي شنو هي الاكسبسيون تاعي لهنا سنتكس نو لهنا لو نومبر نتاع لي زارغومون il n'est pas le même que le nombre اللي موجود في ماكسيموم 2 هكا ولا Donc, une fonction, lorsqu'on appelle une fonction, on doit respecter quoi, principalement? On doit respecter nombre de paramètres. Très bien. Et des premières choses. Deuxième chose. Le type de paramètre. Le type de chaque paramètre. Chose. L'ordre des paramètres. L'ordre des paramètres. Très, très bien. Donc, ces trois conditions doivent être valides pour toute fonction في أي langage. ما نجمش أنا l'ordre, le type متاعي لهنايا int ونجي لهنا نحط له str. Donc, au niveau de l'appel, نحط له str. Ça ne marche pas. Donc, هذاك علاش il faut respecter donc l'ordre, le type et le nombre. Ben. Le type un petit peu au niveau Python, peut-être que ça va se bichiraya comme choya. Allez, ça le chat Python, donc il n'est pas typé, mais quand même. On va voir donc, on va voir qu'on peut donc aussi donc donner le type de chaque paramètre. Je me colle int de x ou int de y. Donc, ce sont les paramètres qui doivent être acceptés par la fonction. Mais si j'écris donc tout simplement comme ça, donc je m'y accepte n'importe quel type. Mais au niveau donc de traitement que que l'exception peut être générée au niveau du traitement de la fonction. Mais c'est je vais les détails de Malcolm. El Moham, le nombre, l'ordre, le type, c'est très important donc de respecter. Ce qu'on n'a pas fait ici. Donc ici on n'a pas respecté le nombre. Donc je m'en étais on n'a pas respecté le nombre. Matahou a talab zouz, wa hna atina 3.
Donc, il n'y a pas de l'usul, je ne sais pas. Tout simplement, j'appelle la première fois pour les deux paramètres m'taï, x et y. Donc, je vais faire comme ça. Donc, j'appelle la première fois donc, pour x et y comme ça. Donc, j'aurai un résultat qui est le maximum de x et de y. Donc, il y a le maximum de x et y. Et j'appelle une deuxième fois maximum 2 avec le résultat retourné par donc le résultat retourné par l'appel de la première fonction est z. Donc, quand on attaque x, c'est là où j'ai le max, ma bin x ou z. Quand on attaque y, c'est là où j'ai le max, ma bin y ou z. Et comme ça, il va retourner le maximum entre trois nombres sans réécrire un nouveau programme. D'accord? C'est compris? Très bien. Mais alors, je réarrange le code pour que je pose une nouvelle question ensuite. Donc, je mets ça ici. Mais alors, la question maintenant, comment je vais afficher donc mon résultat, c'est-à-dire là je cherche mon programme principal. Qu'est-ce que je vais écrire dans mon programme principal? Donc on va utiliser donc cette partie-là, d'accord? On va utiliser donc ça. Ça c'est la partie donc les fonctions mtéri. Et qu'est-ce que je vais écrire dans le programme principal? A-t-il la solution pour exécuter notre fonction, pour exécuter donc le maximum entre trois nombres entrés au clavier. Qu'est-ce que je dois écrire dans le programme principal? Écrivez-moi donc la solution, s'il vous plaît. Lina, tout à l'heure, ta solution, elle n'est pas fausse. Donc, def maximum donc, de 3, x, y, z, if y supérieur à z, donc 2 points, nr7, 2 points, return max x, y, else return z. C'est pas faux, d'accord? Mais en gros, l'oudima, il faut essayer de minimiser le code, s'il vous plaît. Essayez au niveau Python de minimiser le code. Vous allez avoir donc une heure donc, de travail. Monsieur l'examen twil. Ou l'examen mouchtwil, solution. Donc, les examens disent que c'est le niveau. Il dit que monsieur l'examen twil, donc, ou qui تخمم انت ديما بمشكل تتخمم في باسكال وكومون باسكال اي ريزو مخك باش يتولي تراسيلك تعمل سوليوشن طويله برشا باش تاخذ برشا وقت في ليكريتور دونك لا اسيي توجور دو مينيميزي لو كود اي وين لا سوليوشن تاع شنو نكتب في البروغرام برينسيبال بور فير لابيل بور افيشي لو ريزولتا
ايوه اشاهد وينهم وينهم الاكس واليغريك والزد باي ثم شكون بعثهم قبلك مثال شيء دونك سميرة دونك سي بيان مي سميرة ماكسيموم 3x y z تعمل ريتورن راي ما تعملش برنت دونك وفات اتونسيون داكور دونك يا با دو il faut ajouter le print il faut pas l'oublier hésité نحط البرنت ولا من بعد قلت هكا تعمل ريتورن معناتها اي ريتورن احنا كي قلنا افيشي وعملنا ريتورن ما عملناش برنت لا ما حطيتش اني ما حطيتش حتى لتو البروغرام هو مكتوب افيشي ماذاك علاش جي دوموندي تو ديكرير لو بروغرام برينسيبال اه سامحني فهمتك تالور جي اكري لي فونكسيون وهذيك علاش جي ديفيني لا ديفيرونس انتر un programme qui réalise un effet de bord donc ou une fonction qui réalise un effet de bord et une fonction qui fait des returns donc ça m'a farak ma binetum on retourne la valeur ça veut pas dire qu'on affiche la valeur très bien شو معناتها في البروغرام برينسيبال ما نعاودوش نعيطوا لها معناتها الفونكسيون كيفاش ما نعاودوش نعيطوا لها ما علاش نحط ديريكت برينت مش لازم نعاودو نكتبو ديف ماكس كيك خدمناها البارتي هذيك خدمناها اي معناتها اذا كانش نخدم من الاول جديد معناتها نعملو من الاول نعرفو بلي فاريابل نتاعنا ومن بعد نبداو في الفونكسيون اذا كانت التعرف بلي فاريابل او نيفو بيتون ما مانيش نعرفوا بها الا ما نعمل ابل نتاع الفونكسيون افهموها الفونكسيون كون جي كري اون فونكسيون alors je vais exécuter donc la fonction sur le programme donc dans le programme directement donc je vais démarrer mon PyCharm je vais partager donc mon écran Alors, file. New. File. Il a max. Alors, je vais reprendre notre fonction. D'accord ? Et je vais donc l'écrire dans le programme. Alors, c'est le programme interne. Si je vais exécuter mon programme, je fais ce qu'il va faire donc notre programme. Est-ce qu'il a réalisé quelque chose? Est-ce qu'il a dit que X, Y et Z ils ne sont pas connus? Est-ce qu'il y a donc un problème? Non. Non. Donc ici, la définition des variables, elle ne se pose même pas à ce niveau-là. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai défini une fonction, mais je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas appelé cette fonction. Alors, si je vais appeler la fonction, je vais appeler donc la fonction maximum. Donc je vais faire ça. Donc maximum. Maximum 3, et je vais appeler avec X, Y et Z. Qu'est-ce qu'il va me dire? Là, il va te dire que X, il n'est pas défini. C'est maintenant qu'il va le dire. C'est-à-dire qu'au niveau, donc, c'est-à-dire au niveau donc, de l'appel de la fonction, que les variables ou les paramètres ou les arguments, ils doivent être définis. Ce n'est pas au niveau de la déclaration. La déclaration, c'est en premier. Je vais faire X égale
والاي ايغال والا نعمل بال نعمل بالانبوت والا il faut pas les définir c'est pas une obligation de les définir فهمتوا donc لهنا كي قلت بروغرام برينسيبال سي لا دونك نوتر بروغرام برينسيبال que je dois donc écrire donc je vais tout simplement copier حتى بخل من قوت نكتب donc c'est là que je dois définir mon programme principal qu'est-ce que je dois écrire ici c'est ça la question D'accord ? Est-ce que je vais tout simplement écrire maximum 3 de X, Y, Z ? Est-ce que ça va marcher ici ? On va tester. Donc, on va voir. Donc, voilà. Il va dire que 9 slakeya, que X, elle n'est pas encore définie. Donc, je ne connais pas le X, Y et Z. C'est là que je dois définir le X, le Y et le Z. فهمتوني؟ واضح مسيو. très bien. Donc, ce que j'ai vu donc comme proposition. Donc, on définit le x, y, z. Ensuite, نعمل print de maximum donc 3 x, y, z. Donc, à ce niveau-là, c'est une des propositions. Donc, print écrire donc x, print écrire y, donc print écrire z. شنو هي البرنت هذه مش بني با مسير شني جي بري اون كوبي ها البرنت زايده هناك انبوت تجي في بلاصتها شنو هو انبوت مسالش ضياء حل الميكرو ضياء كانت نجم تتكلم معنا وي مسيو البرنت شنو نعملوا بها ضياء انبوت انا غلط شو حطيني غلط زاد D'accord. Donc, input et input. Donc, ici, donc, on a lu donc, les trois valeurs. Ensuite, donc, on affiche notre résultat. Donc, heavy, head a le sens normal. Alors, pour simplifier, je peux faire comme ça. Alors, je prends ça. Je le mets à la place de X. Je prends ça. Donc, je vais claquer rien. Donc, ici, on a le Y. Donc, je la remplace par le Y. Et le Z, je la remplace par le Z. Et là, vous voyez, je n'ai plus besoin de ces variables. Une seule ligne, j'appelle. Et j'exécute mon code. Comme ça, donc, moins de lignes et moins de code. Écrire X, je vais donner donc une valeur de X. Écrire Y, je vais donner une valeur de Y. Et écrire Z, il va me dire que 45, c'est le maximum. OK ? Compris ? Oui, monsieur, c'est clair. Monsieur... C'est juste que je n'ai pas, pas utilisé de variables. À ce niveau-là, je n'ai pas besoin de X, Y, Z parce que je n'ai pas encore des traitements après. Je n'ai pas de traitement après. Donc, je n'ai pas besoin de sauvegarder le X, Y, Z. Donc, je peux les écrire directement dans les paramètres. Vu que int de input, c'est quoi? C'est une fonction. Donc, on n'a pas de procédure. C'est ça l'avantage de Python. On n'a pas de procédure. Si c'était readLen comme en Pascal, est-ce que je peux l'écrire à ce niveau-là, le readLen comme Pascal? Moustahi. Parce que le readLen en Pascal, c'est une procédure. Donc, je ne peux pas l'écrire ici. Par contre, au niveau Python, toutes les modules et tous les modules sont des fonctions. Je peux tout mettre dans une seule ligne. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème. شكون اللي كان باش يتكلم عنده كيستيون؟ مشي واضح خليه. مشي. داكور. وي. مشي كان حاطين قبل الفونكسيون هذوك حاطين باغ اكزومبل عطينا فالور نتاع اكس وياخذها ان طونك كونستانت مثلا يخدم بها في لي فونكسيون كان حاطين قبل الدي الفوق بكل. شوف. حاطين قبلها فالور نتاع اكس وفالور نتاع ايكغيك ياخذهم ان طونك كونستانت يخدم بها.
اسمعوني اسكو لهنا كتبت x ثاني اسكو كتبت x لا جاوبوني ما كتبتش x معناتها اني كنخرج هذه ونكتب لهنا a ونجي لهنا ونحط a ايجال واش تعمل لي غلطه خاطر لهنا ثم x لا مش هذاك المشكل مش نحكي لك قبل الديف قبل لي فونكسيون من الفوق اي اي ها مش نكتب بعدا مش غادي كيف باش نكتبها لهنا هنا هنا باش نكتبها ال ا هكا ولا تعطيها فالور مش تعطيها تقول 2 ولا 3 ولا ها نعطيها 14 اكس تعطي اكس فور اكزامبل اكس تقول ايجال 14 اي الاكس هذه انت تشكوا كو اكس هذه هي الاكس هذه ما يخدمش بها ولا حاجه ما يعملش كونفيزيون انت الاكس هذه الاكس هذه هي نفسها الاكس هذه دون مو اون ريبونس بوغ توا جاوبني حسب انت الفهمه لا مسيو مش نفس نورمال مسيو خاطر واحده فاريابل وكان الاخرى جلوبال ما قلت ياخذهاش كونستانت ولا حاجه نو اون ا با دو كونستانت اون ا با ديفيني دو كونستانت ici c'est x est une variable X est une variable qui a une valeur 14, qui peut changer. On peut la changer, d'accord? Nejim lehne, donc normal input. Nbaddelha, mais khalaqnish. Mais lazmak tchot fi mokhok, li l'X hadi, mahiyach hiya l'X hadi, la alaqa b'ba'dhom. Bi deux objets différents, lehne nsammiha, A. Ou normal l'appel bil A mta'i fi niveau hadiya. لا فالور دو ا تتحط في وسط الاكس دونك هنا vous faites attention le nom de l'objet ou de la variable dans les arguments il n'est pas nécessairement le même que celui lors de l'appel lors de l'appel شفتوا علاش اني حطيت لهنا int de input قلت لكم هاني باقل variable possible Dans mon programme principal, je n'ai pas utilisé de variables du tout. J'ai utilisé des inputs. Donc ici, tout simplement, la valeur, elle est directement mise dans X. Femme tout. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, cette constante, elle est trop de constante. Hatta ken jet constante. Hatta ken hiya constante. Rahi, elle ne va pas être... utilisé dans ma fonction maximum il وقت اللي نعمل لابيل نتاع ماكسيمم في البروغرام برينسيبال نتاعي اك الوقت كي نحط له اني لهنايا الام نتاعي اك الوقت ولات عندها انفلوونس مع الاكس اللي موجوده لهنا مي طون كو جي با ابيلي ما فونكسيون تو سو كو جيكري ici دونك نحط لك اكس لهنا 14 y égal 17 ou z égal 20. On n'ahi l'ktib hadi, on n'amel exécuter le programme, ma andu hatta ay effet. X, Y, Z, je les ai définis. Est-ce qu'il a affiché quelque chose? Rien. Pourquoi? Parce que nos trois, nos fonctions, ils n'ont jamais été appelés. Donc là, obligatoirement, il faut l'appeler. Donc print maximum de x, y et z, ça permettrait donc d'afficher un résultat. Là, il m'affichera en tant que maximum. Donc une fonction n'a aucune utilité si elle n'est pas appelée. Béhi, aimes tout? Oui, monsieur. C'est bon, Amira? Voilà, monsieur. Monsieur, pour la réponse, tu as veillé. Oui. Je vais mettre trois variables juste en... في وسط ال خلينا نشوف ديا وين هو اه
نو قلت لكم المره اللي فاتت خلينا نرجع للريبونس هذه وقلت لكم الحكايه هذه المره اللي فاتت دونك الوغ هذه هي الريبونس نتاع ذي دونك كان عملت اكس دونك كان عملت اكس فيرغول ايغريك فيرغول زد لازمك تعمل نفس الحكايه انت دو انبوت دوني اكس ان دو انبوت دوني ايغريك ان دو انبوت دوني زد فهمت ولا ça c'est pour le x ça c'est pour le y et ça c'est pour le z sinon il y a une erreur qui sera générée فهمنا bien c'est logique chaque input va remplir une variable C'est la même chose, on a parlé avant de, d'affectation multiple, on l'a appelé. Donc, 12, 14, 16. Je m'en le 12, c'est pour le X, le 14 pour le Y, et le 16, c'est pour le Z. Est-ce que je peux tout simplement écrire comme ça? Est-ce que ça, c'est logique? Non, monsieur. Non. دونك لا ميم شوز عباره كانك تكتب لي انبوت وحده عباره كتبت بالطريقه هذه راهو نفس الحكايه الانبوت تحسبها كانها فالور لا فالور فاتيت دوني بار لوتيليزاتور دونك يفو لا كونسيديري كوم سا دونك يفو با لا كونسيديري كوم كيلك شوز ديكسترا نو 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 سي اون فالور عباره كانك كتبت 12 مي كتبت انبوت ثاني على بلاس دونك سي جي بوزوان دافوار 3 فالور دونك سيباري جو دوا دونك اكريغ 3 انبوت سيباري Ok. Ok, monsieur. Très bien. Donc, le programme principal va être, comme je l'ai fait donc tout à l'heure, je reviens vers mon exemple que j'ai écrit tout à l'heure. Comme ça, c'est dans le PowerPoint Miracle. Voilà. Donc, ça, pour moi, la solution la plus proche de ce que je cherche au niveau du programme principal. Voilà. Donc, notre fonction. Et là, donc, première variable, deuxième variable et troisième variable. Donc, ça sera tout. Donc, je vais pas. Donc, je vous laisse donc digérer un petit peu donc, ce qu'on a vu donc ici. Donc, et je vais donc entre temps, je vais préparer donc une petite série avec des questions diverses et des petites fonctions qu'il faut créer et afficher leurs résultats. Donc, on va pas entrer en détail, beaucoup de détails. Juste au maximum une fonction dans une autre, comme on a fait donc ici dans notre exemple. Donc, comme on a appelé donc la fonction maximum 2 dans la fonction donc maximum 3. Donc, on peut donc aussi donc faire de même donc pour les exercices que je vais donc mettre d'ici demain maximum. Je vais les mettre sur dans les fichiers de groupe. D'accord. Donc, s'il y a des questions. Pour ce qu'on a vu donc là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Monsieur, une fonction très valeurs. Ma ta ibara que j'allais fonction sur le Pascal. Ou ça m'a les de bord ou le je n'ai dit quel mot, monsieur. Pour l'effet de bord. Effet de bord, ma ta ibara procédure. Effet de bord, ma rite, ahna l'ani louch khdit les trois exemples là hnaya. Hadi 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 qu'est-ce que est-ce qu'elle fait donc un effet de bord hadi? Est-ce qu'il y a un effet de bord ici? Est-ce qu'il y a un affichage? Je n'ai pas fait ça.
تراو في الاكرام تاعي ولا اي فيها افيشاج هذه فيها افيشاج دونك يا ان افي دو بور هذاك شمعناتها افي دو بور راهو معناتها لو ريزولتا دو لا فونكسيون il s'affiche sur l'écran دونك ici il y a print دونك il y a un effet de bord par contre ici il y a un retour de valeur donc c'est le schéma c'est ce que j'ai présenté donc au niveau de ce schéma là il y a deux possibilités ou bien une valeur de retour ou des valeurs de retour tant que faut que les valeurs de retour ou عندي une autre possibilité c'est l'effet de bord معناتها حتى كان نعمل حتى كان نجي في وسط الفونكسيون ونعمل int de input ولا دونك نعمل input il y a un effet de bord aussi qu'on appelle ça donc un effet de bord entrant donc la fonction généralement on demande pas dans la fonction de donner des valeurs la fonction elle prend des valeurs et elle les traite et elle génère des résultats les résultats si elle veut les afficher c'est-à-dire تعمل print là on a un effet de bord donc de sortie c'est un affichage et si donc le résultat généré va être renvoyé vers le programme appelant, là on a un retour de valeur. Il y a un retour de valeur. Il n'y a pas d'effet de bord. Il n'y a pas d'affichage sur l'écran. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que s'il y a un affichage, on appelle ça donc un effet de bord, donc de sortie. S'il n'y a pas donc d'affichage, il y a un return. Donc on n'a pas d'effet de bord, il y a un retour de résultat. Monsieur. كان فما ريتور دو ريزولتا معناها في البروغرام برينسيبال باش نكتب مثلا لنا نكتب الاي والاكس ما نجبدش على الفونكسيون باش تابلي انت الفونكسيون اون ابيلي لا فونكسيون ici اون ابيلي ماكسيموم 3 اي مسيو باش تعمل كيكا وبان مثلا انت باش تخدم حاجه اخرى ابار الفونكسيون في البروغرام برينسيبال باش تخدم حاجه اخرى par exemple عندك t égale maximum d'accord maximum 3 des 3 variables نتاعك donc le résultat va être mis dans t et tu traites t sinon si tu veux vérifier if par exemple maximum 3 de x y z donc deux points donc elle est supérieure à une valeur ou peu importe d'accord supérieure à une valeur deux points je fais un traitement une fonction est considérée comme une variable entre guillemets. Je la traite comme une variable. Je mets dans print, je mets dans if, je mets dans for. Donc for i in range. Donc for i in range. Donc maximum. Donc maximum 3. Alors, for i in range, maximum 3, par exemple, d'accord? Donc, deux points, et je fais le traitement. Bien sûr, maximum 3, donc x, virgule y, virgule z. Donc, c'est un exemple, donc tu vois, donc notre fonction, je peux l'appeler quand je veux et où je veux. Donc, et je fais le traitement terrible. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Non, monsieur, c'est bon. C'est clair. C'est clair, monsieur. Ok. دونك ان شاء الله اللي يحب يحضر بيان سور نهار الجمعه مرحبا كي العاده دي زيكزيرسيس دونك سا فا تيتر واش شنو الفرق ما بين الماكسيموم 2 والماكس زوج ديفينيسيوني فونكسيون ماكس عملنا وين عملت ماكسين نو ذاك الاكزامبل نتاع واحد منا حط ماكس وميسيو كتب ماكسيموم نفس الحكايه جست التسميه وبال لهنايا تحكي اي فهميك واحده فيها ريتيرن والانس والاخرى ريتيرن من غير ان
نعاود نرجع على الحكايه هذه باه توتالور كانت مكتوبه بالريتيرن والالس اني بالعاني قلت ديما ماذا بينا لو مينيمم دو كود بوسيبل معناتها كانت مكتوبه بالطريقه هذه دونك بون سي موا كي لا شونجي دونك هذه هي نفسها كانت مكتوبه بالطريقه هذه اف اكس انفيريور ا واي ريتيرن واي ايلس ريتيرن اكس alors sachant que خلينا نركز على كلمه ريتيرن ريتيرن احنا قارناها وقلنا راهي ال بوت اتر كومبارابل ا بريك معناتها اني كان حطيت بريك لهنايا كان اني كتبت بريك لهنا اسكو عندها افي للي موجود من بعد اسكو عنده افي للي موجود من بعد لا عنده حتى افي دونك بريك معناتها il quitte la boucle نعاود ونأكد بريك سا بيرمي دو كيتي لا بوكل راه ماهيش في ما تجيش في فونكسيون غالطه بلاصتها لهنا يعني حبيت جوست باش نرجع كلمه بريك خاطر نعرفوها دونك هنا عندي ريتيرن دونك هنا عندي ريتيرن دونك ريتيرن هذه عباره كانها بريك معناتها كان لقى ريتيرن ريت مثلا عندك انت لهنا هكا خلينا نزيدو نعقدوها شويه دونك عندنا لهنا هكا احنا انهي منهم الريتيرن اللي ديما تخدم ريتيرن اكس وعلاش الريتيرن اكس هي اللي تخدم علاش مش الريتيرن واي دونك لا تي فوا دونك هنا لازمك تفهمها الريتيرن راه مادامك جاوبتني بالطريقه دي معناتها حتى لتو ما فهمتنيش معناتها ريتيرن alors le fait اللي تلقى ريتيرن Ça veut dire qu'on arrête tout. La fonction T est taqaf ou traja une valeur. Maintenant, awel return yalqaha, la fonction T est kul taqaf. Awel return, ma awel return. Fahmt le principe hada? Avec le premier return, notre fonction s'arrête. Fahmtni wala? Ay fahmt. معناتها لهنا الريتيرن ترجع لي ايغريك ولا اكس لهنا في الاكزامبل نتاعنا ايغريك صحيت دونك تري بيان دونك لهنا ديما نوتر فونكسيون ترجع ايغريك اسكو ريتيرن اكس نوصلوا لها نهار من النهارات لا مستحيل توا كي كتبت اني قلت اف اكس انفيريور ا ايغريك دو بوين Return Y. بعد كتبت return X. إيش معنى الكتابة هذه؟ وقتاش يعمل return Y؟ Voilà. If X est inférieur à Y. وقتاش يعمل وقتاش يرجع لي Y؟ وقت ال x inferior y وقت اللي هذه تعطيني la valeur true هكا ولا الو اي ميم شو باه دونك وقت اللي ال x تعطيني la valeur true يا نورهان باش ترجع لي الـ Y لهنا وقت الـ X inferior à Y دونك valeur true دونك ترجع Y وكان الـ X الـ n'est pas inferior à Y شنو يصير؟ ترجع لي الـ X معناتها il va pas entrer à l'intérieur ici هكا ولا ماهوش يدخل في وسط الـ traitement بتاع الـ X دونك ماهوش يدخل في الـ return Y دونك ما لقاش كلمة return معناتها يكمل يخدم صحيح ولا دونك automatiquement عبارة كأني كتبت له else return x هذاك فهمتها معناتها هو كان دخل هنا يعمل تريتمون هذا الكيت هذه ما يغزرلهاش وكان ما دخلش لهنايا اوتوماتيكمون il va passer return x on n'a pas plusieurs choix on a que deux choix يا return y يا return x monsieur oui مسيو معناه هو اول ريتيرن يراها يرجعها اول ريتيرن يدخلها يرجعها
هذا كيش قلنا أول return تعمل array للفونكسيون بتاعك أول return. أوكي داكور باهي فاهمين؟ وي مسيو باهي. كان نبدل هذه ونحي لها الألس ونكتب بالطريقة هذه اسكو نفس الشيء ليه مش نفسه يا نورهان يا نورهان اسكو نفس الشيء لهنا ليه مش نفسه مش نفس الشيء معناتها لهنا شنو باش يرجع لنا باش يرجع لنا الماء باش يرجع مزوز باش يكتبه مزوز خيب يا معناتها كان x1 est inférieur à x2 il va afficher max et x2 ويخرج من الاف نتاعي ويمشي يافيشي ماكس اي اكس 1 بار كونتر كان اكس 1 اللي سوبيريور اكس 2 اي فا افيشي كو ماكس اي اكس 1 داكور دونك لهنايا يا با دو يا با دو بريك نعاود نقولها اونتر غيمي يا با دو يا با داري دو لا فونكسيون تاعي خاطر البرينت ال اريت با دونك تو في اتونسيون كون تو يوتيليز برينت دونك اي فو Il faut que notre structure soit complète. Mais quand tu utilises return, automatiquement, avec le premier return, toute ma fonction va s'arrêter. Donc, tu n'as pas de souci pour avoir donc, avec les autres valeurs qui vont être calculées après. Dès que tu trouves return, tu sais très bien que ta fonction elle va s'arrêter. Béhi ? Voilà, monsieur. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Monsieur le Chirah, au Brabi, malgré ma... Oui. Monsieur Mbakri, tu as dit par analogie, Mohamed. Qui t'a dit effet de bord ? Tu as dit que tu as une procédure pour le Pascal ? Je n'aime pas encore la procédure. Monsieur, juste par analogie, on a dit, monsieur, la procédure de Pascal, c'est quoi, qui fait l'effet de bord, juste pour nous dire, c'est une chose. Non, c'est la fonction, dans Pascal, tu peux écrire right line, c'est dans la fonction, tu n'as pas de problème. Tu comprends? Dans Pascal, tu peux écrire dans la procédure, tu n'as pas d'affichage de jumelle, tu n'as pas une modification d'un paramètre ou de plusieurs paramètres dans le... dans les arguments de la procédure. Donc, je ne peux pas la comparer avec Pascal. Mais juste, on peut dire, Ali, qu'il y a un affichage depuis la fonction, on parle d'effet de bord. Depuis la fonction, quand il y a un affichage, c'est yep. L'exemple là. Tu as de la modification de la valeur ou la chose. تبدا عندها نفس الفيم تاع بروسيدور في باسكال عندها موديفيكاسيون تاع فالور تما ايفي دو بور ليفي دو بور سي جوست كو يخرج لك على يخرج على ليكرون داكور والا باش اكسبتي ا بارتير دونك دو انبوت انبوت زيد اون ابل سا دونك ان ايفي دو بور دونك انترون مي كي نحكي على ان تريتمون انترن Une modification de variable, on va voir après qu'il y a des listes. Les listes, automatiquement, et une modification, je t'amène à la liste, elle va affecter la variable globale interne à la liste. La liste, c'est une variable muable, donc elle change. Si vous avez la fonction, si vous avez la fonction, si vous avez le traitement, elle change dès que vous avez la chose. Donc la liste, quand vous appelez la fonction, elle va être changée automatiquement. Donc ce n'est pas une procédure, c'est une fonction. Qui change les paramètres, mais il n'y a pas d'effet de bord. Donc, l'effet de bord, il est lié essentiellement avec le input, avec le print. Très bien. Sinon, c'est bon? C'est bon, Jmera? Ok, allez. La semaine prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous et à bientôt. Allez. Merci, monsieur. Bonne soirée.
الأخير.